Sac également. Merci Quentin. Merci pour le prime. Il restait 3 charges de rewind. Il en restait un peu en vrai. Marble Water. Ah, c'était chaud. Je rentre du taf, ma copine est devant ton stream, une fleur de plus en plus avérée. Fleur de plus avérée. Ah, il y a des pets. Some pets. Oh oui, le chat. Va falloir revoir la compo si tu galères autant. Ouais. Après, c'est un peu le principe, quoi. Hein. Non, je sais pas. Oh, waouh. Le tigre. Voilà. Peut-être un petit 4-4-2 avec pompette en pointe, ouais, sur la compo, ouais, peut-être revoir un bail comme ça, ouais, c'est possible. C'est possible que ça parte comme ça, ouais. Ah. Arigato. Yokatta ne. Ah. Ah. Il ne donne pas de... Ah non. いいかしら? Ok, retour à Somniel. Wow, la dingue. C'est un peu le fil rouge de cette histoire, Veil. On sait pas trop, mais... Veil a tué des gens, elle a volé des anneaux, mais elle sait pas pourquoi, en fait. Dame Veil, je vous attrape enfin. Oh, Gris. Ah, c'est son frère? Vous êtes le double. Tuer le dragon divin, attaquer le château. Moi, je veux pas faire ça. Hein. Allez. La voix de Gris me dit quelque chose. J'ai l'impression que c'est toutes les mêmes voix, moi, je vais pas te mentir. J'ai l'impression que c'est toutes les mêmes voix. Enfin, les voix, les voix... Bah en fait, non, toutes les voix, en fait. Toutes les voix. J'ai l'impression que c'est toutes les mêmes. Le voix de Joker dans Fire Force? Sûr. Je vais aller récupérer quelques trucs. Mais ce qui est chaud aussi, c'est que j'ai toujours pas récup. Il y a environ 12 heures de jeu. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai perdu mes emblèmes, j'ai toujours pas récup. cabinet de prédiction. Cabinet de prédiction. Sidal tirera les cartes pour vous révéler votre avenir. Le cabinet est uniquement ouvert le soir, alors passez-y après le coucher du soleil. Je vais aller donner à Grail, à ONU. Hop. Pas besoin d'emblème, t'inquiète, c'est surfait. Et encore, ouais, et encore, j'ai le DLC. Hein. Les gens qui ont pas le DLC, là, ils ont plus d'emblème. Voilà, c'est fini, pas d'emblème, rien. Chou. Tu
Tiens, je lui donner, je vais donner des pêches, je pense, en vrai. Il va être content, regardez. Est-ce qu'on va enfin savoir ce que ça fait quand c'est au max ? Ok. Je vais te caresser du coup. Ça fait rien. Ah non. Oh, la déception est totale. Ah donc ça ne sert à rien. Ok. Ok. Bon, petite part de déception, je vais pas vous... Ouais, pas vous mentir, il y a un peu de déception, effectivement. Beaucoup de déception, effectivement. Énormément de déception. Je suis complètement abattu par la situation, là. C'est vous qui vendez les magisters, je crois. Oui, il y a 6 magisters. J'achète les 6. Arigatou gozaimasu. Merde, j'ai fait un peu quoi. Ok. Hop. Hop. Inventaire. Pompette. Gérer objet. Magister. Ils sont pas là. Ok. Dans le dernier sac. Bah ouais, mais je les vois pas. Tu sais que j'ai une goutte. J'ai une goutte que je peux... Alors pas utiliser sur toi, non ? Je vais utiliser la goutte sur qui d'ailleurs, attendez. Un peu plus de force. Est-ce que je mettrais pas ça sur... un peu sur diamant, ça peut être pas mal, je pense. Je vais mettre ça sur lui. Force plus 2. Et ensuite, on avait dit donc Fogado qui est le level max, on va changer sa classe. Et on va le passer en... Un cupidon. Charmant cavalier archer se battant avec désinvolture, excelle à l'arc et à l'épée, et se joue de l'ennemi. En contre-attaque, l'unité peut infliger des dégâts supplémentaires égaux à la moitié des dégâts subis. Probabilité d'attaque en pourcentage. Ok. Je peux te faire ça, hein. De toute façon, je gagne full stat, donc... Vas-y, go. Comme ça, on pourra lui monter ses niveaux un petit peu. Mais on va le garder, hein, on va le garder. Hein. C'est notre deuxième archer depuis qu'Etty est plus avec nous. Fogado. Ok. Mystique, soutien, adepte. Peut-être faire un truc avec Jean quand même. Hein. C'est que Jean, il est là, il donne tout ce qu'il a. Mais prêtre d'élite, après, c'est déjà ce qui est Panao. Donc, je sais pas trop quoi faire en vrai. Moine expérimenté entraîne aux arts martiaux excellents au corps à corps et dans l'art de la guérison. Si l'unité est soignée par un bâton, toutes les unités adjacentes récupèrent également 50%. Je vais prendre un moine sup, je pense. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Et voilà, il est tout BG comme ça, là. Parfait. Ou sinon, on vire Jean pour Hortensia en meilleur heal. Oh non, dis pas ça, Jean, il est avec nous depuis le début, ça fait trop de la peine. Non.
Ok. Danseur pour Sidal. Non, non, Jean est pas mal, ouais, Jean est pas mal. C'est le premier PNJ sauvé, mais oui, en plus. Montre, attends, Hortensia est où? Là. Dompteuse. Avec ça, un bâton imprégné d'une magie capable de briser les gardes des ennemis. Confère plus 1 à la portée de l'unité quand celle-ci a un bâton de soin. Ah, ok. Pas mal. En vrai, c'est pas mal. Je pense qu'on pourrait avoir genre... Chevalier Sleipnir. Chevalier montant le... montant le charmant Pégase Sleipnir, manie de puissants bâtons ainsi que des tomes. Arbre du monde, lorsque l'unité se sert du bâton, son utilisation peut ne pas être décomptée. Oh, c'est pas mal ça. Pratique. Après, je vais pas jouer avec 3 heals quand même, ça me semble énorme. C'est ça le truc aussi. Ça me semble énorme de jouer avec 3 heals, non? Après, au moins, je suis safe, hein. Je joue Céline, ouais, tout à fait. Je joue Céline. Je vais aller faire mes 3 matchs d'arène, là. C'est vrai que Céline, je l'ai pas promote du tout. Attends. Bah si, elle est déjà vidame. Si, si. Et what the fuck? Je peux tout faire. Est-ce que j'ai augmenté Panet? Panet en Berserker. J'aime bien Berserker en vrai. Cavalier Lupin, cavalier galopant. Sur le champ de bataille à dos de loup, ses dagues sont le cauchemar de l'ennemi. Non mais je vais garder ce que j'ai, je pense, hein. Mouvement moins 2 à l'ennemi pendant un tour si unité inflige des dégâts avec des dagues. Elle est bien. Non, 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 elle est bien en Berserk, moi je trouve. Je sais pas, je sais pas. Elle est assez forte en tout cas. Peut-être que je vais mettre sur Hortensia plein de bâtons utilitaires autres que des heals, ouais, justement. Je me disais ça. T'es pas là jouer en heal, elle est là, elle a des bâtons, et elle a plein de bâtons utilitaires. Peut-être faire ça. Maybe. Maybe. Vas-y, popette. Voilà. T'en fous, ça. Voilà, Yunaka. C'est vrai que t'es niveau 1 maintenant. Je m'en rends pas du tout compte de la value de ça en termes d'XP même. Parce que concrètement, est-ce que en fait aller faire une quête... Attends, je vais voir l'XP. Est-ce qu'aller faire une quête secondaire, c'est pas plus boire ce que... Franchement, c'est un peu naze, non? Je sais pas. Certes, c'est gratuit, mais le temps que ça prend... Ça prend, je sais pas. Je pourrais être dans une bataille, quoi. Il y a un lien d'emblème à faire pour Alchrist. Oui, c'est vrai. Bravo. Emblème Alchrist. Effectivement, avec Lin. Voilà. Le dialogue.
Épée divine de l'emblème Lin. Efficace contre la cavalerie et les unités cuirassées. Ok. Oh, trop bien, plein de dialogues Urvan. Hache ancestrale de l'emblème Aïe confère résidence plus 3. Il y a des armes quand même. Il y avait... Il y avait toi qui étais avec... avec Corinne, tout à fait. Sorum no danser, Seiya desu. Watashi wa Kamui desu. Yoroshiku. Non, c'est une victoire. C'est une victoire. Kamui. Il est si fort. Allez, je me casse. Sidal, pire perso. Ah ouais, moi je trouve qu'il est, il est bien. Merci Scaltix pour le 19e mois. Au contraire, il est fort, il a pas mal de petits trucs sympas. Je me mets. En bataille au cac, il est zéro. Pas sûr que ce soit notamment son job forcément d'être au corps à corps et mettre plein de dégâts, mais plutôt faire rejouer des gens ou ce genre de bail, c'est quand même super fort. C'est vachement fort. Quand même très 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 fort. C'est un danseur, il peut pas être nul. Bah en vrai, ouais, c'est un peu ça quoi. Juste son moveset en fait, juste son moveset quoi. Merde, pardon. J'ai vu. Forteresse, ça c'est bon. Tac, 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 tac. Le village de l'Oasis. Côte Azurine. J'ai un peu peur de commencer une bataille et de crever de fatigue pendant la bataille là. Ça me semble un petit peu chaud cette histoire. Suggérer classe avancée niveau 1, niveau de don 2. Ah. Vas-y, go. Go test. Un danseur fait rejouer n'importe qui. Un danseur est donc virtuellement aussi fort que ta meilleure unité. Bah, c'est un peu ça, ouais. C'est pour ça que je trouve qu'on peut pas vraiment dire que ce soit nul. Le long du littoral, là. Ah. Ok. On va commencer à faire les annexes d'emblèmes pour choper de l'XP. Mais j'aimerais bien récupérer mes emblèmes. Je veux mes emblèmes. What? Ça va? またソルムに侵攻する気だったら潰すけど。オッケー。攻め込むようには見えませんね。何かを探しているようです。神竜様、飛竜が一気こちらに接近。Une wyvern fonce sur nous. Mate. Encore des nouvelles unités, j'en peux plus. Hortensia, 無事だ. 2 人 とも. J'en peux plus. Merci Sora Artiste. Bientôt 3 ans, merci Sora. Mais c'est une dingue, c'est vraiment... Par bataille, il y a 14 nouveaux personnages, 27 emblèmes. Au moins, il y a le choix. Ah bah là, c'est sûr. Hein. Toi qui parlais de t'endormir, ce chapitre est peut-être pas le meilleur. Non, arrête. Arrête. Ah oui. Ah oui, c'est huge.
Il y a le choix et pourtant j'ai toujours le même, la même team depuis tellement de chapitres. Ouais, mais moi je pense que je vais garder la même. Hein. Merci Nyogo. Merci beaucoup pour le 14e mois Nyogo. Ok. Marnie. Cuirassé. Des unités aériennes. Et ça, Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Une attaque de feu à distance. Ignore def et résistance ennemi. Super. 51 PV. Merci Panachu pour le 31e mois. Il y a un peu de monde, hein. Rosado et Erika. Gold Mary. Louis. Jean. Céline. Fogado. Oh, mais elle est derrière plutôt, ouais. Hop. Panette. Ainsi que Diamant. Viens te mettre là plutôt. Et toi aussi, t'es là, Sidal. Ok. Go, hein. Combattre, hein. T'as passé un peu trop, t'as raté une invoque d'emblème de Rosado. Non, non, on a vu. Merde, j'ai fait un retour sur la carte du monde, putain. Non, non, on a vu qu'il y avait un emblème. J'ai juste pas regardé l'emblème. Oh, j'ai fait retour sur la carte du monde, je me déteste. Connexion. Oh non, on va pas tout refaire. Faut tout refaire? Du coup, on permute. Oh l'enfer du move. On permute. Donc je disais, donc ouais, diamant Ike ici, Panette ici. Toi tu restes là. Toi tu te mets là. Et là je suis bien. Si tu l'as vu, tu l'as passé encore. Mais oui, non mais t'inquiète, hein, j'ai vu, hein. Mais c'est juste la cinématique de la... de l'emblème, quoi. Inflige esquive moins 20 à l'ennemi pendant le combat si celui-ci est un homme. Sourire troublant, ok. Permet d'échanger les emblèmes et d'inverser bracelet lunaire, noblesse et bracelet solaire, ok. Et c'est quoi que t'as? Épieux, hache d'argent. Ok, d'accord. Bago. Let's go. Ils ont rejoint mon groupe. Ok, bon bah encore des nouvelles unités à prendre en main. Il y a de l'eau. Ok, d'accord, ok. Donc l'eau monte et descend, mais du coup on peut mourir noyé, quoi. Esquive moins 30 dans l'eau. Salut, moi ping sur ton Discord pour savoir où se trouvait le chan Destiny 2. Je fais une petite rectification, il y a bien un Discord Destiny 2 pour le chan, pour le clan FCF. Je suis la maître de guide avec Babasmas, vous pouvez nous DM. Ah mais voilà, c'est ça, il y a... Ah oui, d'accord. C'est un Discord à part entière. L'Amérique permute avec son frère jumeau Ephraim pour s'adapter à différentes situations. Ok. La technique d'engagement bracelet lunaire augmente les dégâts infligés en proportion de la défense de l'ennemi. Ok. L'arme de fusion rapière inflige des dégâts bonus à la cavalerie et aux ennemis cuirassés. Ok.
La technique de fusion jumeau sacré permet à l'unité d'invoquer simultanément les techniques d'Erika et d'Efran. Ok. L'attaque de fusion frappe jumelle implique une épée et une lance brisant facilement la garde. Ok, d'accord. En fait, on n'a même pas le temps de se faire un emblème, de comprendre un personnage qu'il y en a un nouveau. C'est un peu épuisant, je trouve, en vrai. Ok. Très bien. Pas prendre l'aggro, hein. Échanger les emblèmes nuit et jour. Fusion. Ok. Je suis assez d'accord, oui, on a un peu trop d'emblèmes. Bah en fait, c'est fatigant. C'est-à-dire qu'en fait, tu viens de terminer une bataille où tu viens de comprendre qu'il y avait un nouvel emblème et un nouveau personnage. Et t'arrives sur une nouvelle bataille où on te dit « Voilà un nouvel emblème et deux nouveaux personnages !» Et t'es en mode « Ah ok, mais j'ai pas... Ok, je sais même pas capté ce qui s'est passé. » Ok, donc je peux pas faire grand-chose, quoi. 6% de crit ? Est-ce que 6, c'est 100% ? 16%? Je voulais voir. Raté. Ok. Dommage. 16, c'est 100. Pas du tout. Pas du tout. Ça a fait littéralement 0. Ça a fait 0. Est-ce qu'il faut descendre du coup? Ok. Est-ce que tu as récupéré les autres emblèmes DLC ou tu vas attendre qu'ils soient tous dispo? Je sais pas encore en vrai. Je sais pas du tout. Aucune idée. En fait, j'avoue que je pensais que les emblèmes de base, on allait récup beaucoup plus vite. Enfin, beaucoup. Qu'on allait récup assez rapidement, tu vois. C'est que là, ça fait... J'ai passé plus de temps sans les emblèmes qu'avec. Je sais pas si tu vois, c'est quand même bizarre. J'ai évidemment mes emblèmes DLC. Ok, bon bah ça, je peux rien faire. Non, mais je pense qu'il faut pas attaquer ça. Hein. Faut aller soit en haut, soit en bas, je sais pas. Je sais pas trop. Bah oui, mais il y a de l'eau. J'sais pas quoi faire. Oui, par contre, il y a une rejouabilité de fou, hein. Ouais, bien sûr. Attends. Je vais faire un... réessayer la bataille depuis le début. Je vais mettre l'emblème de Bylet que j'ai toujours pas mis, effectivement. Mais je sais pas si je vais faire cette bataille aujourd'hui. En vrai, il est 18h12. Et la bataille a l'air assez longue et complexe. Donc à voir. Mais déjà, je vais m'installer quand même avec Bylet. Et là, les dialogues recommencent. Non. Fury s'en est. Revacrit plus 10 à l'unité si ses PV ne sont pas max. Ok. Peut transformer une attaque manquée en attaque réussie. Permet d'accorder aux alliés situés à 2 cases un bonus de caractéristiques sur le DN. Ok. Ça va vite, t'inquiète. Ouais, non, en vrai, n'importe quelle bataille est assez longue, bien sûr. Merci, Mr. Slime. 26e mois en T2. Merci Mr. Slime pour le sub gift aussi. Merci beaucoup. Bah vas-y hein. Mais attends, Edelgard, t'es à personne là? Peut-être le donner à quelqu'un quand même. C'est... Ouais bon, c'est pas très utile. Mmh.
Tiens, je te file ça, mais c'est vraiment histoire de le filer. Hein. Hop, je sauvegarde. Ok. Et je combats. Non, je permute, pardon. Parce qu'il faut tout que je refasse, c'est ça. Ah non, ça l'a laissé dans l'ordre dans lequel j'avais mis, non? Je crois. Ouais, c'est ça. Non, c'est bien. Vas-y, je vais faire go bataille et je vais voir ce qu'ils me disent par rapport à l'eau parce que j'ai passé comme une merde, mais en vrai, j'aurais jamais dû. Ok, j'ai pas plus d'infos. Ok, ok. Ouais, bah du coup. Marnie est où? Marnie est là. Et Mauvier est où? Et ils sont là. Ah, ok. Et il y a de l'eau partout en fait. Genre, je peux pas y aller là. Ouais, non, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Bah on va tous aller en bas, hein. Hanazono wa dochira ni? Yes. Non, vous savez quoi? Je vais pas commencer cette bataille maintenant. Je vais pas commencer cette bataille maintenant parce que c'est sûr que je la finirai pas. Je commence à avoir le cerveau qui fume. C'est sûr que je la finirai pas, je vais faire n'importe quoi. Je vais faire n'importe quoi. Merci Pizzou. Non, je vais faire n'importe quoi. Non, je me connais. J'ai un taux de concentration qui est pas assez élevé. Non. Ça sent le combat où tu dois réceptionner. Je pense que tu... Ouais, tu ramasses, ouais. Mais je pense qu'il faut passer par le bas. Ouais, il y en a pour une bonne heure. Ouais, à mon avis, t'es gentil, hein. Mais ouais, je ferai ça... Je ferai pas ça maintenant, ouais. Ah, c'est l'effet After War 2h du mat. Non, mais là, je sais pas si tu te rends compte, la bataille qu'on vient de faire... Qui était cool, hein. Moi, en vrai, j'aime bien quand il y a des difficultés. Au contraire, tu vois, quand faut vraiment rewind et ça se joue à la casse-près, je trouve ça kiffant, tu vois. Je trouve ça kiffant. Doudidou. Je viens d'apprendre que t'as des gens qui ont réussi à ajouter des jeux Pokémon sur l'émulateur Game Boy de la Switch. Jure. Ouais, je vais faire ça. Mais par contre, je vais la jouer comme ça, hein. C'est-à-dire que Louis qui est ici, c'est bien. Je vais la jouer comme ça, je vais aller vers le bas, je pense. En vrai. J'ai tout manqué de la map de l'enfer. La map, elle est dans les ruines, c'était... En vrai, c'était marrant. En vrai, c'était assez marrant. Bon, je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder ici. Chill. Sauvegarder ici. Et je vais stop là. Ce sera mieux, je pense. Parce que là, sinon, on en a pour une éternité. Et surtout que j'ai le cerveau qui brûle là. Le cerveau qui brûle. C'est juste un émulateur, a priori, c'est totalement possible, mais pas sûr que Nintendo soit d'accord. Je suis pas sûr que Nintendo soit d'accord concernant ce que tu disais, non, effectivement. Ah d'ailleurs, putain. Il y a Mario et Lapin Crétin Sparks of Hope qui a une mise à jour, mais je pense que c'est pour ça que c'est passé devant dans ma liste de jeux. Et je crois qu'ils ont mis le PVP online en place. Je crois qu'il y a un bail comme ça. Il y a pas un truc comme ça? Je crois que c'est pour ça que c'est là. Ouais. Je crois parce que j'ai vu un nom et... Bref, toujours la fin. Désolé, Limonade. Oh. Bah, je sais pas. Non, je suis pas sûr de ce que je vous dis. Hein. C'est juste qu'il y a une mise à jour Mario et Lapin Crétin. Et du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est peut-être ça. Et sur Internet, effectivement, genre sur Twitter, j'avais vu une annonce de... Je sais plus si c'était Ubisoft ou Nintendo qui disait qu'il y avait une mise à jour. Mais je l'ai pas vu, donc je sais pas exactement ce que c'est. Eh ben écoutez, messieurs, dames, on va se laisser là pour aujourd'hui, pour cette session Tactical RPG. C'était très cool, même si j'avoue, concernant ce Fire Emblem Engage là, je vais être tout à fait honnête, je trouve ça un peu chiant que à chaque... Bah déjà, le scénario est à chier, donc vraiment, mais enfin... C'est pas qu'il est à chier, c'est qu'il est inexistant. Mais en fait, c'est juste qu'à chaque fois que t'arrives sur une nouvelle bataille, bah en fait, ils arrivent avec de nouveaux emblèmes, de nouvelles unités.
Alors c'est cool parce que du coup ça permet de faire le choix, mais en même temps, bah, t'as envie un peu de tout tester, etc., etc. Et donc du coup tu sais plus trop où donner de la tête. Et du coup ça traîne un peu, ouais ça traîne un peu, tu t'es en mode d'accord. Et aussi je sais pas quand est-ce que je vais retrouver mes emblèmes. Et du coup je suis en mode, bah vous m'avez donné des outils hyper intéressants en début de game. Genre vraiment très intéressants, j'ai fait genre 5-6 batailles avec ces outils-là. Et d'un coup vous m'avez enlevé tous ces outils-là, et là ça fait plus que 5-6 batailles que j'ai plus ces outils-là. Et j'ai pas d'autres outils vraiment, enfin si on m'en rajoute petit à petit, mais voilà. Et j'avoue c'est un peu... C'est chelou tu vois. T'inquiète, t'es sur la phase un peu longuette à passer. Ah ouais ? Franchement là je me sens... En fait je trouve ça un peu frustrant parce que je me sens submergé, ouais. Mais c'est exactement ça. Exactement comme Flash Forward, je me sens un peu submergé. Et du coup c'est frustrant, voire chiant en fait. Genre vraiment hein. Chaque chapitre, tu récupères deux gentils et deux méchants redevenus gentils. C'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Ouais, ouais. Après, toi, tu joues en mode si quelqu'un meurt, je recommence. La plupart, je pense qu'ils jouent en mode si une unité meurt, j'assume. Oh, ça dépend, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui joue en permadeath. Ça dépend, en vrai. Hein. En vrai, ça dépend. En fait, c'est une façon de faire une partie de jeu où tu découvres les 6 premiers, une autre où tu découvres les 6 autres. Ouais, pas faux, pas faux, pas faux. Oui, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire, ok. Mais parce que là, vous savez que je suis dans ma tête, je suis en mode, est-ce que j'ai envie de le finir, quoi ? J'en suis vraiment là, hein. Parce qu'en fait, j'ai 30 heures de jeu, et j'ai l'impression que j'ai... Que je suis encore au début de genre... je sais pas comment dire. Genre, après 30 heures de jeu, j'ai l'impression de pas être encore dans le jeu. C'est chaud, non ? Une comparaison avec Free Houses ? Mais en fait, Free Houses, pour le coup, j'aimais... Pour le coup, j'aimais bien le délire, t'es dans l'université, tu donnes des cours, etc. J'aimais bien ça, ça rajoutait peut-être un peu plus de choses que là où où il n'y a vraiment rien. Enfin, le hub, il sort un peu de nulle part, tu vois. Le tuto le plus long du monde. Mais c'est pas un tuto, je suis mission 17. Je suis mission 17 alors que je crois qu'il y en a 25, un bail comme ça, tu vois. Il y a un bail comme ça, hein. Mais franchement, je me pose vraiment la question. Hein. T'as l'impression d'enchaîner les batailles et point. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas d'enchaîner les... En fait, tu vois, genre, enchaîner les batailles et point barre, ça me dérange pas si c'est carré dans le sens, tu sais, j'ai un peu les mêmes unités tout le temps, j'ai ma team et on évolue comme ça. Sauf qu'en fait, ce n'est pas possible vu qu'on te prend les emblèmes. Donc en fait, ta team, elle change complètement. Donc en fait, tu peux pas vraiment. Mais enchaîner les batailles, moi, ça me va. Hein. Ça me va, y a pas de soucis. Hein. Perso, j'ai eu du mal avec l'université de l'ancien Fire Emblem. Mais moi, j'aimais bien parce que ça donnait un sens à tes troupes. Tu vois ce que je veux dire ? Ça donnait un sens au fait de faire évoluer tes troupes, t'allais en cours, ça leur donnait des caractéristiques. Au contraire, moi, je trouvais ça pas mal, tu vois. Tout le rush final est vraiment bien, mais t'as encore un ou deux chapitres pas ouf avant ça. Ah, ok. Vous avez ressenti ça aussi ? Parce que là, vraiment, moi, je sens qu'il y a un peu... Ouais, c'est un peu long et chiant. Ouais, c'est ça. Pas mal, oui, mais long et chiant. Ouais, mais tu parles de la fac ou tu parles de ça ? Parce que là, tu vois, genre, le fait d'avoir des nouveautés à chaque fois que tu ne vas pas garder parce qu'en fait, tu ne sais pas ce que t'as et ce que t'as pas, c'est... Ah, le farm de la fac, ok, ouais. Ouais, franchement, je réfléchis, je verrai ce que je fais. Parce que j'ai kiffé la dernière bataille, là, où on était coincé, on nous courait après. Franchement, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment, j'ai bien aimé. Mais le fait qu'on enchaîne d'un coup sur une nouvelle bataille où encore il y a deux nouvelles unités et encore il y a un nouvel emblème et je suis en mode mais je sais pas. Sans spoil, la fin du jeu reprend un peu. Ouais, ok, je capte. Ok, je vois. Ok. Je trouve que toute la partie narration personnage univers c'était largement mieux sur Free Houses. Engage, l'avantage des emblèmes, c'est que ça permet un peu de personnaliser les techniques. Grave, mais ça, je suis d'accord, mais du coup, je suis dégoûté qu'on m'a enlevé mes emblèmes de base. Tu vois ? Mais grave. Il était pas censé y avoir que 12 emblèmes ? Bah après, il y a les DLC. Il y a les DLC, donc c'est particulier, tu vois. Si tu comptes, t'es sur le dernier emblème hors ceux de base. Ouais, probable. Bah je sais pas, on me les a pris, mes anciens. Disons qu'il y a tellement de possibilités que ça en est bordélique. Genre, c'est compliqué de vraiment poser un plan de bataille et d'apprendre les interactions entre tes unités quand ça change tout le temps. Bah, c'est exactement ce que je ressens. J'ai du mal à me faire à ma team
vu qu'il y a tout le temps des modifications par rapport à ça, on propose des nouvelles choses, tu vois. Et c'est ça qui est... C'est un peu difficile de... C'est un peu difficile à gérer. Alors que par exemple, sur Free Houses, moi, j'avais fait une run Edelgard, et au moins, en fait, j'avais ma team, mes élèves, et c'est tout. Et parfois, tu pouvais recruter des élèves, parfois, mais c'était assez rare et assez compliqué. Moi, j'aimais bien, en vrai. Le rythme est pas très bien géré, t'as un énorme moment de vide après le double chapitre où tu perds tes emblèmes. T'as quasiment atteint la fin de ce creux. Ah, ok, d'accord. Ok, ouais. Moi, j'ai fait une team définitive même avant de perdre les emblèmes. Ah oui, mais du coup, tu joues sans emblème. Oui, c'est ça qui m'a un peu mindfuck aussi, c'est que vu que j'ai le DLC, j'ai des emblèmes, alors que normalement, j'étais à un moment où j'étais pas censé avoir d'emblème. Donc ça m'a un peu mindfuck aussi, je crois. Je crois. Merci Aurore pour le 6e mois de prime, merci beaucoup. Je crois que ça m'a brain. J'ai gardé ma team du début, c'est cool. Ouais, c'est cool de faire ça, je suis d'accord. Ouais. Bon, sur ça, messieurs, dames, je fais des bisous. Ok, je vois. Ok, je vois. Au même point de jeu que toi, j'avais envie de lâcher. Mais tu vas voir, ça va recommencer en force. Ok. Je vais voir. Je vais voir tout ça. Bon, en tout cas, c'était très cool ce live, quoi qu'il arrive. Super speedrun, Super Mario Odyssey into bagarre tactical. Oui, je vois, contrairement à ce qu'on peut croire, Engage est un défi emblème avec le moins de persos recrutable et jouable. Oui, mais on te force le recrutement. Tu vois, contrairement à d'autres où c'est à toi d'aller le faire si tu veux. Là, le recrutement, il est là, on te dit, bah tiens, il fait partie de ta team. C'est un peu différent, je trouve. Tu vois ? Ouais.